Hello Magaldi. Hello les Queens. Que tu n'aies pas d'idée de business encore, ou que tu aies déjà démarré ton entreprise mais encore rien de très concret, pas de clients, sois la bienvenue à Gold Up Masterclass. Une fois que tu arrives sur la plateforme, comment ça se passe? Tu es comme à la maison, une semaine, un chapitre, viens on regarde. Chapitre 1, on va parler d'état d'esprit. Je te partage ce qui m'a permis de me frayer un chemin, à moi, mais aussi à plein d'autres femmes entrepreneurs que j'ai accompagnées. Il s'agit de clés, d'astuces mentales pour ne plus se faire bouffer et enfin prendre sa place. Chapitre 2, on parle de générer du revenu. Je te donne tous les schémas, toutes les logiques pour comprendre les différents business models. À toi de choisir celui qui te convient. Chapitre 3, on va raconter son histoire. J'invite deux femmes douées et pédagogues avec qui on va aborder comment parler à ses utilisateurs pour les comprendre, qu'est-ce qu'un bon storytelling, et ensemble, on fera l'exercice de l'écriture de son manifeste. Un exercice structurant et essentiel. On enchaîne ensuite sur le chapitre 4, et là, il s'agit de l'identité visuelle. Trouver son identité, son incarnation visuelle qui soit juste par rapport à qui l'on est. Il ne s'agit pas d'être une artiste, il ne s'agit pas d'être une designer. Simplement, il y a une méthode. 1. Introspection. 2. Chasse aux images. 3. Le durcissement, les choix, le brief. Et soit on le remet, ce brief, à un designer, soit tu le fais avec tes petites mains et pareil, on a des listes d'outils pour que tu le fasses. C'est un premier jet, ça va te permettre d'avancer. On passe au chapitre suivant. Chapitre 5, il est temps de faire. Je sais pas si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait la version 1 de ton produit. La version ultra simple, c'est le chapitre sur le MVP. Tu vas pouvoir créer toi-même ta propre solution, même si tu ne sais pas coder. Chapitre 6, comment faire grandir sa communauté? Parce que 100 followers sur Insta, c'est juste pas possible. Donc là, on prend la méthode, on prend les outils pour masteriser Instagram ou TikTok. Chapitre 7, on enchaîne sur l'automatisation pour pouvoir gagner du temps sur les tâches répétitives. Il y a de la tech pour ça et tu vas kiffer quand tes factures vont s'envoyer toutes seules à tes clients. Chapitre 8, à ce qui paraît, on sait pas vendre. Ah bon? Eh bien, on va aller apprendre. On va chercher des experts qui, eux, ont de la méthode. Et pour ça, il y a Ariane, qui est une vendeuse B2B hors pair, qui va nous donner toutes ses astuces. Il y a également Stéphanie. Avec Stéphanie, on fera les tunnels de vente. Il y a Mélanie. Avec Mel, on va parler de pitch, comment être convaincante. Et puis enfin, avec Kélian, on parlera de pub en ligne et SEO. Voilà, ça, ce sont les 8 chapitres de Gold Up Masterclass. Mais en bonus, on t'a aussi mis des notions sur tout ce qui est juridique, administratif ou financier pour pouvoir lancer ta boîte. Et bonus ultime, Magaldi, t'as tous les avantages sur des outils qui sont utiles. T'as une liste avec des deals qu'on a négociés avec les meilleurs prestataires de services pour les entreprises innovantes. Sur AWS, sur HubSpot, sur LegalStart, sur Payfit, sur Notion, sur Conto, Twilio, iPayDat, tous les outils que nous on préconise quand on démarre son entreprise en ligne. Cerise sur le gâteau, t'as fini ta masterclass, tu rentres enfin dans la communauté des Goldies. Et là, tu poses n'importe quelle question à n'importe quelle nana quand tu veux parce que t'as accès à la messagerie instantanée. Et en plus, évidemment, t'es invité aux sessions d'entraide exclusivement réservées aux Goldies qui sont des moments vraiment incroyables pour s'entraider entre nanas, entrepreneuses, motivées, passionnées, qui ont envie de se tirer vers le haut. Et ça, c'est de la sororité, c'est de l'or en barre. Bienvenue à Gold Up Masterclass, ma queen. Les Master Queens.